Bonjour à tous, nous sommes lundi 1er février 2021. Vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika. Ce matin, j'ai fait une vidéo à Action de Cervon. Vous avez été nombreux à me demander si les actions ont resté ouvertes. Alors, pour répondre à cette question, oui, les actions qui ne sont pas dans un centre commercial de plus de 20 000 mètres carrés restent ouvertes. Enfin, c'est ce que moi j'en ai déduit. Et cette fois-ci, j'ai pas vu de produits essentiels, non essentiels. Donc voilà, donc tous les actions qui sont en dehors des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés et tous les autres magasins, bien sûr, toutes les autres enseignes, pour moi, restent ouvertes. Donc à voir un petit peu comment ça évolue dans la semaine. On retrouve plein de belles choses dès l'entrée. On a ces paniers, donc gris et couleur bois. Il y a plusieurs tailles. Il y a cette nouvelle horloge ronde, métal bois, 55 cm à 14,95 €. Et elle est là, la nouveauté, c'est cette étagère en métal. Elle fait 46 cm, 30 cm comme ça, et 1,50 m de hauteur. Elle est en métal. Alors, je vous donnerai le prix juste après. On retrouve ces décos. Donc celles-ci, elles sont à 17,95 €. Une nouveauté aussi avec ce cadre photo. Alors pareil, j'ai pas le prix, ils sont en train de les mettre. Donc là, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Il y a aussi celui-là, il est trop beau. Il me rappelle un cadre. Celui-là, ils ont un cadre comme ça qu'ils vendent. J'essaie de voir si je vous le trouve. Mais franchement, si vous avez une déco noir et blanc, métal et tout, ils sont vraiment trop beaux ceux-là. Après, toujours pareil, vous pouvez mettre vos propres photos. Hein. Alors côté stylo, papeterie, on a ces trousses là. Alors je vous le dis à chaque fois, faites un petit tour dans le rayon des trousses. Des fois, ils ont vraiment des très jolies choses qui peuvent aussi servir de trousses de maquillage, etc. Elles sont à 2,29 €. Il y a celle-ci. Il y a aussi celle-ci. Elles sont en simili-cuir et puis elles sont assez épaisses. Oh bah tiens, dans la gamme des trousses, on a aussi les notebooks, les carnets de notes imprimés gaufrés, 1,99 €. Donc il y a rose, noir et le vert. On a le retour de ces peintures créatives à base d'eau à 2,59 €. Donc il y a vraiment plusieurs couleurs. le lot de 4. Ils ont remis en rayon ces petits sacs organza avec les petites roses. Donc il y en a 3 dedans et ça vaut 94 centimes. Alors moi je l'utilise pour faire des désodorisants maison, vous savez, avec les petites billes d'assouplissant. Et franchement ça marche, ça sent vraiment très bon. Alors ça ne marche pas pendant très longtemps, mais au moins pendant 3 semaines. Moi j'ai mon couloir, j'en mets dans le couloir, j'en mets un peu dans certaines pièces, j'en mets dans les toilettes. Et vraiment ça sent très bon, surtout les petites billes là bleues. Et là donc 94 centimes les 3. Alors vous pouvez le faire aussi dans d'autres sachets, mais il faut que ce soit, ajouré pour que l'odeur puisse sortir. Sinon vous avez du rose, du bleu. Il y a du blanc et du violet aussi, et du gris. Moi, c'est ceux que j'ai. Non, je ne sais pas s'ils en ont remis, du gris. Voilà, le gris. Tiens, ce matin, je vous ai montré ces petites bouteilles comme nouveauté. Hop, je vous ai parlé des grandes et c'est celle-ci. Donc, pour vous montrer la différence de taille, tiens, celle-ci, elle n'a pas de bouchon. Et celle-ci, elle a un petit bouchon en liège. Du nouveau chez Curveur. Alors vous connaissez sûrement celle-ci, c'était la nouveauté de cette semaine. Et depuis un petit moment, il y a celle-ci. Et en fait, la petite nouveauté, c'est ce à 3 étages. Donc on peut y ranger de la charcuterie, du fromage, etc. Tiens, ils ont remis des bacs à linge sale à 9,98 € en bambou. Ils existent aussi en noir. Et le dernier bac à linge, c'est celui-là en bambou aussi. Il reste encore des tables de salon rondes à 13,95 €. Un petit tour dans la vaisselle. Donc ça, c'est une des deux nouvelles gammes. Tu sais, j'avais pas vu les mugs, il est très joli celui-là. Après, bien sûr, les assiettes, c'est comme tout, hein, ça dépend du style que vous avez. Donc en fait, il y a 4 coloris ou motifs. Donc ce motif, celui-là, celui-là et celui-là.
Ils existent aussi en bol, ramequin. Alors c'est vrai que des fois je confonds un petit peu le tout. Donc en tout cas, donc ceux-là sont à 1,99€. Les mugs, je vois pas le prix. Donc les assiettes sont comme ça. Donc les grandes assiettes, les 25 cm sont à 2,99€. Les plus petites sont à 2,56€. Et la deuxième gamme, c'est celle-ci, c'est la Siena. Donc 21,5 cm, 2,56€. Pareil, on a des petits raviers à 99 centimes. Les plus grands raviers à 2,48€. Et les grandes assiettes de 27 cm à 2,99€. On a dans cette gamme les saladiers aussi à 5,55€, qui font 24 cm. Donc il y a cette couleur aussi. Et celle-ci. Allez, un petit tour dans les bonnets. Les bonnets à perles à 2,99€. Alors il y a plusieurs bonnets, il y en a qui sont comme ça, il y en a à l'intérieur c'est de la moumoute. Alors ceux à moumoute, je crois qu'ils sont à 3,99€, alors il y a plusieurs prix, plusieurs modèles. On a les écharpes comme ça aussi. Vous voyez, on a encore d'autres bonnets, donc ceux-là à pompons et pas à bonbons. Allez, côté jouets, on a des Nerf Fortnite à 6,95€. On a des recharges comme ça en mousse à 99 centimes. Oh, tiens, le retour de ces accessoires de princesse. Alors ça plaît forcément. 4,99€. Tout ce qui est déguisement, de toute façon, plaît aux enfants. Donc, il y a les petites chaussures, les petites boucles d'oreilles, la petite couronne. Un petit clin d'œil à Karine, on a ces vêtements de mode poupée. Ils sont à 1,19€, donc ils vont très bien sur les poupées de 30 cm. Exemple, tout ce qui est Barbie. Il y a vraiment plein de modèles. On a eu aussi des petits véhicules en bois à 3,99€, l'ambulance. Tiens, il reste encore des distributeurs de savon Baby Shark 1,99€, donc c'est ceux qui chantent quand on appuie dessus. 1,99€. On a aussi ce gel pour les mains, fleur d'oranger, olive, 1,99€ aussi. On a ces flacons qui sont plutôt jolis, donc lavande, citrus, c'est 1,49€. On a la gamme vegan à 1,89€. On a un autre produit vegan, bambou et muguet, donc c'est 1,39€. Et celui-là, c'est penny et huile d'amande. Donc 100% vegan. Le retour des pinceaux Max & More. Alors il y a un numéro ici. Alors ça, je l'ai appris grâce à l'une d'entre vous. Alors vous savez que je ne suis pas trop maquillage. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a des pinceaux des fois qui se ressemblent. Mais je n'avais pas fait attention. Donc on a celui-là, donc 1,04€. On a celui-là pour l'ombre à paupières. C'est le E28 à 74 centimes. On a le E36 pour l'eyeliner à 74 centimes. Et on a celui-là pour la poudre. Donc c'est le F04 à 1,19€. On avait une nouvelle trousse à maquiller. Enfin, vous en faites ce que vous voulez, une trousse à maquillage. Vous pouvez ranger ce que vous voulez dedans, des pelotes de laine, des piles. C'est 1,11€. Il y a plusieurs messages. Après, comme elle est assez fine, on peut aussi la mettre, si vous avez des grands sacs à main, vous pouvez la mettre dans votre sac à main pour y mettre papier ou ce que vous voulez. Ça fera un compartiment en plus. Alors, il y a celle-ci et celle-ci aussi. Nouveauté aussi avec cet organiseur. Donc, ils l'ont appelé diamant, parce que vous voyez, hop. Alors si parfois je ne vous donne pas les prix, c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est tout simplement parce que je ne les vois pas. Alors des fois je vous dis je ne les vois pas, mais des fois je ne pense pas à vous le dire. Donc c'est voilà, si je ne vous donne pas les prix, c'est que je ne les vois pas. Alors parfois aussi j'oublie, ça arrive, hein, vous savez, je suis humaine comme vous tous.
Ils ont remis aussi ces palettes ombre à paupières. Alors, elles ont pas mal de succès apparemment. C'est vraiment une palette avec de très bonnes pigmentations. 4,95€. Et après, on a aussi celle-ci. Par contre, celle-ci, j'ai pas vu de retour particulier, mais la Bliss, j'ai vu beaucoup de retours dessus. Hein. Exfoliant nettoyant pour le visage anti-acné, 1,59€. Alors pour les nouveaux qui viennent d'arriver, j'aime à dire qu'on n'est pas allergique à une enseigne, c'est-à-dire qu'on n'est pas allergique aux produits Action. On est allergique en général à un composant. Donc si vous avez une allergie, il faut bien lire la composition et surtout bien lire comment s'en servir. Parfois, je vois moi des produits que je trouve chez Action à petit prix dans d'autres enseignes beaucoup plus chères et c'est exactement les mêmes produits. Mais comme les personnes les achètent plus cher dans d'autres enseignes, bah, elles pensent que du coup, elles ne feront pas d'allergie. Alors, je le répète encore une fois, je suis désolée, on est allergique à un composant. Et dans ce cas-là, on vérifie la liste. Après, c'est vrai que si on n'a jamais fait d'allergie, bah, on ne peut pas savoir qu'on est allergique à un produit, ça c'est clair. Mais si vous avez des doutes ou si vous avez peur, vous avez juste à faire un petit test à ce niveau-là du poignet. Regarde, j'ai adoré tous vos commentaires sur les Happy Hippo. C'est vrai que c'est vraiment très très bon et que c'est vrai que je m'étais fait avoir moi la dernière fois, j'en avais pas mis de côté. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Les Happy Hippo, c'est 1,89€ le paquet. Si vous aimez la coco, il y a ces petites bouchées de petites gaufrettes à la coco à 1,16€. Moi, je les ai déjà goûtées, alors je les ai trouvées un peu trop fort en coco. Mais après, on n'a pas tous les mêmes attentes au niveau des goûts. Donc, si vous aimez la coco, pourquoi pas goûter. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Ah oui, j'oubliais. Pour en revenir à tout ce qui est ouverture, fermeture des magasins Action. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, ce que moi, je comprends, et ça n'engage que moi, c'est que seuls les centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont fermés. Donc, les Actions qui s'y trouvent seront forcément fermées. Et je parle d'Action, mais je parle aussi de toutes les autres enseignes. Hein. Dans les magasins de plus de 20 000 m², vous trouverez ouverts uniquement les magasins d'alimentation et les pharmacies. Voilà, donc là, ce Action-là, il n'est pas dans un centre commercial, c'est le Action de Créteil. Donc celui de Créteil, celui de Cervon et bien d'autres. Hein. Je cite que ces deux-là parce que c'est les deux que j'ai fait ce matin. Mais je pense que ceux qui ne sont pas dans un centre commercial restent ouverts. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Alors par contre, si j'ai encore oublié, par contre, ça revient le fait qu'il y ait tant de personnes par magasin et remis... à l'entrée, bien respecter le nombre de personnes et voilà. Alors donc je ne vous avais pas donné le prix de cette boîte aussi, elle est à 4,49€. Je ne vous avais pas donné aussi le prix de l'étagère, mais comme je l'ai pris et j'ai le prix, elle est à 19,95€. Donc 19,95€ l'étagère métal. Voilà, donc cette fois-ci c'est vraiment fini. Je ne vous embête plus, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à plus tard.